Et donc salut tout le monde, c'est question 4 pour le 19e épisode de Mobs Games sur Minecraft. J'espère que cet épisode va vous plaire. 19, on est presque à la vingtaine. J'espère que vous allez tous bien. Bon, en tout cas ça va super. Alors pour cet épisode, comme vous avez vu, je suis en armure et tout. Donc ça veut dire en gros que qui dit armure dit aussi qu'on va qu'on se protège. Et de quoi va-t-on nous protéger? Eh bien des mobs de l'extérieur, parce que j'ai décidé de farmer pour réussir une nouvelle quête qui est de remplir un stock entier d'os. Du coup on va farmer, farmer et farmer encore et encore jusqu'à tomber sur la fin des squelettes. D'ailleurs ça... Waouh, lui la graisse hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'Ivarine, tiens. Ok. Bon, eh bien, tant pis. Tiens, on a la poudre de creeper. Je vais plutôt retourner à la base juste pour récupérer de la bouffe parce que sinon, ça va peut-être pas le faire. Et si un poulet pas trop loin, ça pourrait être pas mal. Sinon, bah tant pis. Voilà. Ah putain. Voilà, alors, non, juste de la bouffe, je m'embête pas à tout reposer, hein. Je mets juste dans mon inventaire. Le but de cet épisode sera tout simplement de farmer. Ah, et le soleil se lève, du coup, alors, slash, time set night. Ouais bon, il y en a marre que je répète tout le temps ce genre de truc. Voilà. Regarde. Oui. Ok. Du coup, on va commencer à farmer. Donc c'est dit en gros que cet épisode va contenir beaucoup d'action et que de l'action. Jusqu'à ce qu'on récupère un stock entier d'os. C'est bon, un squelette là-bas. Deux squelettes. Merci. Wow. Et deux, un. Là, ça fait deux os. Putain, qu'est-ce qu'ils font chier? Ok, 4. J'ai oublié de compter combien il m'en restait. Un squelette. Ça fait 2 en 2, tiens. Ça, c'est bien ça. Ok. Bon, j'ai une graine sur moi, mais je m'occuperai de le ramener plus tard. Pour l'instant, c'est le mobage qui est le plus important. Alors oui, j'essaye de ne pas m'attaquer que au squelette. Pourquoi? Pour que cet épisode dure le plus longtemps possible, pour que vous ayez le plus d'action. Et il serait peut-être mieux avec de vrais joueurs, parce que là, ça aurait été beaucoup plus épique. Ouille, ça pique. Ah, un squelette juste à côté. Voilà. Ok. Ça c'est bien comme... Punaise, mais j'en ai marre. De ma souris. C'est bien comme mode de jeu de combattre la nuit. Ok. Nickel. On va essayer le... D'ailleurs, ce que je vais essayer, c'est de garder mes niveaux. Comme ça. Vu qu'on a une table d'enchantement et tout, ça pourrait être pas mal d'essayer de les garder.
On a un cochon. Ok. C'est vrai que... Oh putain. Les cochons sont tirés par les carottes. Pas oublié. Voilà. Deux creepers. Waouh, ça pique tout ça. J'ai perdu mon os. Ouais, c'est bien. On va attendre un petit peu de se régénérer légèrement avant de se remettre à l'attaque. Sauf s'il y a un mob juste à côté de nous, mais ça sera un peu con. Et vraiment, c'est dommage, il y en a un, il y en a pas un ou deux. Waouh! Pas possible ça. Voilà. Directement, c'est correct. Bon, il nous en fera plus que cette os pour remplir un stock. Voilà. Parce qu'elle est juste ici. Voilà. On a 9. Oh. Oh mais non! Casse les couilles le creeper là. Putain, heureusement qu'il a rien abîmé à l'intérieur de ma base. Casser les couilles, franchement. Il devrait avoir une loi contre les creepers parce que là ça m'exaspère. Bon. Je vais faire comme ça. Voilà. Ça personne peut rentrer. Et il peut s'enfuir. Ok, on va aller voir un petit peu. Déjà le bois. Hop, voilà. Et on le range là-dedans. Nickel. L'os. Non, objet de chasse. C'est pas possible ça. Il nous en manque 14. Ok, 14. 14, c'est pas beaucoup, beaucoup, mais bon, c'est pas grave. C'est ni beaucoup ni pas assez. C'est entre les deux. Voilà, on va continuer à farmer. D'ailleurs, je crois que je vais faire une deuxième épée. Au cas où. Voilà. Au cas où je perds. Voilà, au cas où je casse mon épée tout simplement. Voilà. J'ai l'impression. Ah ouais, je me disais bien aussi. Même pas d'œil d'Underman, vous vous rendez compte. Il commence à être radin les mobs hein, quand il meurt. On pourrait pas tout me léguer, ça serait beaucoup mieux. Ah, un squelette bien habillé. Ok. Nickel. Oh bah tiens, bouton d'or, ça c'est bien ça. Donc 1 sur 14. On commence bien, il y a un squelette là-bas.
D'accord, lui il donne rien. C'est Pierre Carabin. Deux. On en est à 3 sur 14. Et encore une fois, le soleil commence à se lever. Punaise, mais j'en ai marre de ma souris là. Franchement, j'en ai marre, je vous jure, je commence à craquer. Voilà. Oui, hein, c'est du. C'est un chasse au mob, alors. Je m'autorise. Je ne peux pas me permettre d'attendre la nuit. Hein. Ça, c'est sûr. De toute façon, c'est ma série, je fais ce que je veux. Oh putain. Deux flèches. Ok, même si c'est pas forcément ce que j'attendais, mais c'est pas grave. Voyons voir les alentours. On peut vraiment voir au loin les bestioles à part un zombie que j'ai vu là-bas. Plus on a de bestioles, mieux c'est. Alors faut savoir que j'ai tourné 3 épisodes à la suite, hein. Ça veut dire en gros que pendant ces 3 épisodes je ne connaîtrai pas votre rendu. Voilà. Alors excusez-moi, je vais mettre le compteur sous mes yeux. On en est déjà 11 minutes, putain. Sur 14, il nous manque plus que 10. Voilà. Je vous jure que si j'étais en mode PVP, ça pourrait pas le faire en fait. C'est qu'une souris pareille qui n'arrête pas de bouger, dans tous les sens. Ça risque d'être juste injouable. Peut-être que c'est en fait, si ça se trouve depuis tout ce temps, c'est mon tapis de souris qui me fait ça. Ok. Ce qui m'énerve le plus d'ailleurs. Alors, il y a un squelette, un creeper là-bas. Peut-être que je me régène un petit peu. Voilà. D'accord. Je suis pas vraiment d'accord avec ton argument. Enfin, avec ton argument, cher Creeper. Mais c'est pas grave. Alors. Sont cachés ces putains de squelettes. Ah, des mobs juste à côté. Ah, je suis à une pelle, qu'est-ce qu'il faut qu'une pelle? Ah, bah écoutez, c'est bien s'il y a une pelle. Je suis pas loin de ma maison. Wow, une chaîne entière. Il y a ça pour une invasion de zombies, hein. C'est une invasion de zombies. Ouh. Ouais, ça, c'est de l'invasion à 100%. Hein. Allez, on continue. Surtout les squelettes qui m'intéressent, il me reste plus que 10 os à récupérer et on aura complété le stock. J'entends squelette, ça veut dire que
Voilà, plus que 9. Ok, ça c'est mis tout seul, c'est pas grave. Ça, c'était les moutons, il avait la même couleur qu'un squelette, du coup ça m'a fait flipper. C'est vraiment un vrai challenge ce truc, parce que trouver un stock entier d'os. Après on peut en faire ce qu'on veut, hein. On peut en faire de la poudre d'os. À part accélérer la pousse, je sais pas à quoi ça pourrait servir d'autre en fait. Peut-être que ça sert à la potion et que je le savais pas. De toute façon, il y a tellement d'ingrédients dans la potion. Ah, chouette. La canne à sucre. Je vais la récupérer tout de suite. Lui aussi, il a qu'une pelle. Qu'est-ce qu'ils ont avec les pelles, ces gens? Voilà, ça me fait 6, 9 et 12. Voilà. Dès que je suis rentré, je vais me miner une salle. Si j'ai fini. Alors, bien sûr, pour ceux qui suivent la série et qui font attention aux défis. Les séries ne sont pas forcément les buts principaux de la série, c'est-à-dire enfin, les défis ne sont pas les buts principaux de la série, parce que tiens, une witch, si j'arrive à la tuer, j'en réussis deux witch. Ah oui, elle m'a gros, hein. Merde. Nickel, on a réussi une nouvelle mission. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus difficile que ça en fait. Mais bon, on a réussi deux fois la même mission, vous vous rendez compte? Ça fait une mission de plus. C'est nickel. Il y a une arme enchantée. Si on arrive à la récupérer, ça pourrait être tard. Mais bon, non. Oh putain de merde. Bon, c'est pas grave. Si en fait si. Ouais. Bon, il nous en reste encore 7. On en est arrivé à la moitié. C'est nickel. Donc et le soleil va bientôt se lever. Ça c'est chiant ça. Celui qui se lève tout le temps. Un squelette. Nickel. Il nous en reste encore 5 et ça sera bon. Je remets la nuit tranquillement, sans aucun problème. Pour pas trop s'éloigner de la base non plus, hein. On va peut-être dû mettre cette mission plus difficile, enfin la mission de la witch, parce que enfin, j'aurais dû évaluer la difficulté avant de la mettre, parce que je pensais que c'était vraiment dur en fait. Ce qui est eu une époque parce que je galérais à mort, parce que pour tuer une witch, j'étais obligé de m'aider de la lave. Vous vous rendez compte, je faisais plonger la witch dans la lave pour la tuer. Et encore, je devais la massacrer à coup d'épée en diamant pour la terminer. Hein. Parce qu'elle avait cette salope, elle avait. Elle a une potion de génération de protection contre la lave. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas beau. Résistance au feu, peut-être. Un truc comme ça.
Oui. Oui. J'étais proche de la mort. Vraiment proche de la mort. Voilà. Encore 5. Oh, c'est bon. Allez. Présentez-vous comme ça, les squelettes, venez comme vous êtes. Comme dans la pub McDo. Oh, un creeper. Voilà. Aucun respect. Aucun respect non plus. Allez, un squelette. C'est surtout les squelettes que je veux. Allez, s'il vous plaît. Il me reste 20 minutes pour récupérer 5 os. Merci. Allez, ramenez votre cul. Excusez-moi pour le micro. Un squelette. Ah ben non, c'est un zombie. Oui. Oh, génial. Protection contre le feu. Pas mal. Genre par exemple tu pourrais plonger dans le feu et tu perdrais moins de points de vie. C'est pas t'es protégé à 100%. Bah, je pense. Mais par contre ton armure, je crois qu'il prendrait bien cher quand même. Ah, un squelette. Ok, il nous en manque plus que 4. Encore 4 squelettes et c'est bon. Environ 4, bien sûr, parce que de toute façon ça pourrait être très bien de plus. Là-dedans, peut-être qu'il pourrait en avoir. Hein. Non. Bon, tant pis. On continue d'explorer les alentours de ma base. Et avec un peu de chance, il y en aura pas mal. On est à 22 minutes de vidéo. C'est pas mal pour cet épisode. Que du mobage, que ça et encore que ça. C'est super. Alors j'espère bien sûr, enfin je vous en ai jamais parlé, enfin pas vraiment énormément, j'espère que les musiques de fond que je vous rajoute au montage vous plaît bien. J'essaye de varier les à chaque épisode les musiques ou de changer d'ordre pour faire genre ouais je les varie mais en fait non. Ok, plus que 3. Encore 3 et ça sera bon. Allez, squelette. C'est tellement un génocide, vous voyez que j'en trouve même plus. Il en faut juste 3. Juste 3. Juste 3. Cette fausse note était juste magique. Tiens, je souris. Préparez-vous à la guerre. Les squelettes ont encore sonné. Tiens, 2 squelettes. Waouh, ils s'en font exprès là. Waouh, on se calme, on va se calmer. Ça, c'est juste impossible. On peut pas gérer ça tranquillement. Hein. Oh putain! Pas vu venir celui-là. C'est quoi cette horde? Mais je vais mourir. On peut pas survivre à une horde pareille. Ils sont là-bas. On peut pas les semer non plus apparemment. Ouais, on peut pas les semer. Si genre par exemple tu t'éloignes à 2000 blocs et tant que tu les as pas tués, ils te lâcheront pas. Ok. Bah, même pas récupérer. Essayer de les faire un par un. Hein.
Ok. Punaise, mais venez pas derrière moi. Je vous jure, je vais finir par plus avoir d'épée. Mon épée va finir par me trahir. C'est n'importe quoi cet épisode. Je vais mourir jeune, je vous jure. Respirer, c'est mon seul envie. Ok, plus que un et ça sera bon. Juste un squelette. Juste un squelette. Juste un squelette. Cette fausse note est juste magique. Squelette. Serait-ce le dernier? Le seul de mon espoir. Aïe, ça pique. On a réussi. Aïe. On a réussi, les gens. On a enfin réussi. Et je crois que je vais rentrer. Ça me paraît être une bonne solution. Allez, on rentre. C'est juste en face de ma base, il y a un putain de creeper qui m'attend. Oh putain, les gens. On a enfin réussi cette mission. Cette mission de malade. Merde, c'est pas là-dedans. Non, objet de chasse. Qui est de remplir un stock et juste pour le fun, ce dernier os, je vais transformer en poudre d'os et l'utiliser dans mon champ. Et le dernier. Choisis au pif. Hein. Voilà. Allez, je récolte le blé. En tout cas, c'était un épisode super énorme. C'était du mobage à 100% là. Enfin, 96% parce que le reste c'est des récoltes de blé. Mais ça, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Moi, ça m'a énormément plu. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épisode comme ça. Et j'espère que je vais en refaire un très bientôt. Normalement, je devrais retourner dans le désert très vite parce que je sais que il reste encore quelques petites missions à faire là-bas. Enfin, en tout cas, on a besoin d'aller dans le désert pour finir une mission. Et... bah... tout simplement. D'ailleurs, remarquez ma connerie. D'ailleurs, je vais pas le remettre comme ça, ça serait bon. Les patates, ça peut servir à autre chose, regardez. Ah bah non, en fait, ça a dû être seulement dans les serveurs. J'ai vu ça dans un serveur, parce que quand tu faisais un clic gauche ou un clic droit, je ne sais plus, tu pouvais vérifier combien de points de vie restait à ton obsidienne avant qu'il succombe à l'explosion, tout simplement. Bon, bref, le blé, je vais le transformer en pain. Et voilà. Voilà. En tout cas, j'avance énormément en pain. C'est magique. Ok. Agriculture là. Graines ici et là. Petite pousse là. Ça fait partie de l'agriculture. La terre là. Je crois que c'est tout. Objet de chasse. Des ficelles. Il y a aussi ça. Merde, c'est pas là-dedans, c'était là-dedans. Voilà. La bouffe, je vais m'en prendre un. Et je vais le reposer.
Voilà, mon épée, je la repose là, et il a particulièrement bien pris cher sur... Et mon casque aussi d'ailleurs, et mes chaussures aussi. Bref, toute mon armure a pris cher, et c'est pas grave. Parce que je suis fier de lui. Voilà, voilà. Et ça, vu que ça fait partie de l'armure. Je le laisse là-dedans. Et la pelle, je la mets là-dedans. Bref, et ça, je vais m'en faire 4. Il reste mon sucre. Et après, j'aurais dû les replanter ailleurs. C'est pas grave. Et je vais me faire. Alors, attendez. J'ai de quoi m'en faire 4 avec moi. Théoriquement, j'ai de quoi m'en faire 4. Bois. Ouais. Si genre je fais ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai de quoi m'en faire 4 en fait. Une seule bibliothèque. Yep. C'est pas grave. Et bien écoutez, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus j'aurai de bibliothèque. Et j'ai même, juste pour le fun, mettre des blocs de bois entre chaque coffre. Voilà. Voilà. Même si ça fait très très moche, je déteste quand il y a des trous. Sauf dans un cas. Mais les plus pervers de nous comprendront de quoi je veux parler. Bah tiens, je peux en faire un troisième si je veux. Enfin, un dernier. Du coup, je récupère un peu de bois. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà. Ça fait un plus. Plus que deux. Et je serai content. Bon, bah écoutez, les gens. Je crois que c'est la fin de cet épisode, hein, du coup. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter pour écrire tout ce que vous voulez. Et vous pouvez vous abonner pour suivre toutes mes aventures. Vous pouvez aussi suivre mon Facebook, enfin liker ma page Facebook et mon Twitter. Enfin suivre mon Twitter. Ça fera super plaisir. Donc salut tout le monde.